still. God. 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 Damn it. Hey Yomina, c'est Maître Dragon et on se retrouve pour la démo de Resident Evil 7, ou connu aussi sous le nom de Biohazard 7. Donc voilà, enfin le fameux RE7 qu'on attendait depuis un petit moment. On se dit, est-ce qu'ils allaient enfin faire une suite? Je pensais que oui, de toute façon c'était obligatoire, mais quand? Et enfin ils en ont sorti, donc j'ai regardé le trailer avant. Ça a complètement changé, ce n'est plus la même chose, c'est bien plus glauque. Ça a l'air d'être repris énormément, surtout inspiré de la démo qu'il y a eu sur Silent Hill PT. Attendez, il y en a 10, 3, 4, 5, non, encore 3, 4, 5, voilà. On va mettre la luminosité comme ça. Donc on va tester la démo ensemble et voir ce que ça donne. Resident Evil 7 teaser, beginning how. Ok, trouver un moyen de sortir d'ici. Bon. Oh, c'est beau. Par contre, c'est joli. Mais c'est vrai que... Ah ouais, non, c'est... Non, c'est franchement, c'est beau. Sincèrement, hein. Moi, je vais jouer à ce jeu-là sans avoir marqué le titre. Tu joues à quoi comme jeu? J'aurais pas dit un Resident Evil. Je les écraserai contre un rocher. Et on peut pivoter, donc ça oui c'est normal. Ok, donc on va tester la démo ensemble et je vais essayer tout pour vous la faire, tout pour vous mettre la vidéo le jour même ou dans la nuit. Ce serait bien pour qu'on puisse. Ah, il manque un fusible. Ok, d'accord. Donc on voit ce que ça donne. Ah ouais, il peut y avoir plus facilement des screamers ou des trucs assez glauques dans ces trucs-là. La porte ne veut pas s'ouvrir. D'accord, bon. Et d'après ce qu'on voit le trailer, c'est assez glauque. Mais très très intéressant. Oh! Une poupée. Et coucou monsieur poupée. C'était monsieur poupée vaudou. Ah, oh, c'est vachement beau, on se croirait pas dans un Resident Evil, sincèrement. Hein? Un doigt factice? Oh. Alors. Morceau d'une main factice fabriqué en celluloïde. Ouais? Ok. Oh, il y a du bruit là. On avance tout doucement. Ok. Ça, c'est pour s'accroupir. Il doit bien avoir une touche. Faudrait que je regarde une touche pour courir. Oh. Oula, attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai faim tout d'un coup. Ah. Oh non, en fait, j'ai plus faim. Je crois que je vais gerber. Je vais gerber mon 4 heures. On va se faire une bonne pizza au four. Micro-ondes. Un corbeau dans un four à micro-ondes. Alors je ne sais pas qui habitait ici ou la famille qui habitait ici, mais ils sont vraiment glauques. Mais bon, je sais pas il y a combien d'années ça s'est passé. On ne sait pas encore l'histoire. On est mis comme ça dans le direct. Mais sincèrement, les Resident Evil auraient dû ressembler à ça à l'époque. Hein. Ce serait nettement plus beau. Mais bon, faire ça avec les anciens, comment dire, l'ancienne technologie. Les tout premiers, ça aurait été moche. Donc, commencer à ce moment-là, c'est vrai que c'est... un cochonou. Oh, il y a quelque chose que je peux récupérer. Un coupe-boulon. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Oh, c'est la poupée Chucky. Non, je déconne, c'est une poupée toute dégueulasse. Il faut une clé pour sortir. Ok.
Donc le coup boulon, je pense que ce sera pour péter la connerie qui est en face là. On va tenter. Allez. On ouvre. Oh, c'est quoi? Maison abandonnée. Ok. Alors, faudrait peut-être trouver quelque chose pour soit le doigt ou soit pour faire lire. Attendez, je crois qu'il... faudrait quelque chose pour lire la cassette. On va monter déjà l'étage, je pense. C'est pas une bonne idée, mais on peut monter à l'étage. Je sais pas quoi ça sert. Ok, y a rien dans les escaliers, c'est un truc qui marche pas. Oh, vous avez un joli petit cul, madame. Ok, c'est bon, j'arrête. Ça, on peut pas ouvrir. Ça, y a rien. Là, y a rien. Ouais, je vérifie bien tout, au moins, ça permet. Je sais pas combien de temps dure la démo. Ça. Il y a toujours les trois madames, hein, pas plus. Ouh, tu m'as fait peur, toi. Ouh, t'es une connasse. Tu veux pas descendre? Tu veux pas tomber? Ok. Mais tu m'as fait peur. Et si on réactive, ça fait quoi? Ça ne fonctionne pas. Ok. Comment ça se fait qu'elle est là, elle? Elle était pas là en montant. Bon, tu restes là, tu fais pas chier. Ben, tu restes là-haut. Tu bouges pas. Wow, wow. Ouh, c'est quoi ça? On entend un cri d'un monstre. Alors, comment va se passer les genres de combats, sachant que là-bas, c'est basé sur les trucs à la shoot? Alors, est-ce que... La télé. Ah, c'est pour la caissette. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Et je me demande ce que ce sera pas comme style à Outlast, où on va devoir échapper au truc. Je sais pas. Bon, on s'en sait rien. On va mettre la caissette. Une caissette vidéo avec une étiquette sur laquelle il est écrit maison abandonnée, drive 1er juin. On va regarder ça, on regarde la caissette. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Ah, mais on peut bouger. Il a pas l'air d'être gentil, mec. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Ok, donc là il y avait des gens. Ok, c'était avant ça. Ok, donc il y a eu des trucs suspects dans la maison. Ok, d'accord. 3 ans que la maison est abandonnée. Et nous, get a shot of this. Ok. Make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers, Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently.
Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. On va regarder frigo. This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Oh. Andre? Andre! Oh, on a déjà perdu un mec. Oh putain. Clancy, you see where Andre went? Donc c'est moi Clancy. Donc j'ai compris, donc je m'appelle Clancy. Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Bah, je vais rester près de toi. Ok, donc il y a des gens qui sont venus avant, il y a 3 ans. Pour vérifier ce qui s'était passé, ce qu'il y avait des trucs étranges et qu'une fois. What the fuck was that? Did you hear that? Mais oui, j'ai entendu. Et donc en gros, une famille a disparu dans des circonstances cheloues. OK, d'accord. Ça explique, ça s'est passé il y a 3 ans. Donc ça explique pourquoi en fait c'est tout dégueulasse et tout bizarre. Mais cela n'explique pas qu'est-ce qu'on fait ici nous de base. Là c'est la caméra. Enfin, le film de ce qui s'est passé avant. À moins que... On va regarder ça jusqu'au bout, on verra déjà, on en saura un peu plus. Mais franchement, le jeu est captivant, il est sympa. Il est vraiment intéressant. Je pense que la version complète peut être intéressante. Si le jeu se passe que comme ça, c'est glauque, assez... Avec des petits screamers, ça peut être pas mal. Mais ça sort totalement du concept d'avant, avec les jeux de shoot, avec Léon, avec Rebecca, l'autre Wesker et tout le reste. Là, c'est des personnages qu'on ne connaît pas du tout. Alors, soit on n'est pas les personnages principaux, et après on les verra, ou soit ça se passe comme ça, et je trouve ça pas mal quand même. You first. D'accord. You need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Clancy, j'ai l'air d'être une femme en fait. Ouais, c'est le nom d'une femme, Clancy. Bon, il veut pas descendre. Eh ? Oula ! Oui, quelqu'un qui arrive. Oula, il s'est passé des choses étranges dans une sorte de sous-sol. L'autre, il en est mort. Oh, on a un message. Je t'écraserai contre un rocher. Ok, on a déjà des menaces. C'est pas bon, ça. Alors, maintenant qu'on sait qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut activer le truc qui est en dessous? Voilà. Ah, est-ce qu'on va devoir nous aussi aller au sous-sol ou pas? Ah, clé de derrière. Ok. Donc, est-ce que je pense en priorité que ce soit la clé qu'on fait pour sortir d'ici? Ou est-ce que c'est la clé de la porte là qui est juste à gauche? Waouh, c'est... Il est plus là, le monsieur. On va essayer de ces portes-là comme un côté, mais je pense vraiment que c'est la porte pour sortir d'ici. Examiner, jeter, utiliser. Non, c'est pas pour celle-là. Non, c'est pour celle de l'autre côté. Là, y a rien. Ah, y a plein de trucs. Wow. Le mannequin n'est pas descendu. Je me suis dit, ils auraient pu nous baiser avec le mannequin. Mais en fait, non. J'aurais cru. Ah
putain, le mannequin. En fait, il y avait bel et bien le mannequin. Oh, j'ai les boules. Oh, j'ai les glandes. Mais je n'ai pas les crottes de nez qui pendent. On va essayer de mettre la clé. C'est ça. Non? Ah si, c'est bon. Welcome to the family, son. Quoi? Bienvenue dans... Waouh, 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 c'était quoi ça? We gotta get the hell out of here. Come on. Derrière, derrière. C'est une femme. Alors la famille serait pris par un virus, tout comme la plupart des Resident Evil alors. La famille vous attend début 2017, programme d'ambassadeur Resident Evil. Oui, donc pour ceux qui veulent savoir, donc elle sortira le 25 janvier 2017 la version complète. Là je joue sur PlayStation comme vous avez pu le voir, parce que pour le moment elle est uniquement sur la plateforme PlayStation, mais d'après Biohazard, ça sortira d'ici peu sur PC. Voir sur Xbox, donc ça se peut au moment où j'ai fait la vidéo ou qu'elle sera publiée, vous l'aurez déjà testé sur vos autres supports. Bon, bah moi de toute façon je viens de voir que en fait j'ai recliqué et ça a relancé la démo. Et bah franchement le jeu m'intéresse vraiment, il peut être vraiment intéressant. Il est sympa, bien glauque, comme les trucs que j'aime, donc je pense que ce sera un de mes futurs let's play. Franchement vous, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez de ce nouveau genre de Resident Evil. Moi je trouve que ça peut être pas mal, donc à voir en version complète et à voir ce que donne le jeu au complet lui-même. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Minna.